Ah, c'est bon. Oh putain! Yes! Flashback. Ouais, hop. Bon! Voilà, c'est bon, on est à nouveau au même endroit. Ok, donc là maintenant c'est plus chaud, on va dire, au niveau des monstres. Donc tu vas avancer, puis bon, là qu'est-ce qu'on doit trouver? On doit trouver les autres tiges, donc normalement je crois qu'on est censé trouver les deux autres d'un coup d'un seul. Oui, les deux sont l'une à côté de l'autre, je crois, dans mon souvenir. Oui, parce que j'avais dit justement, imagine quand j'en... Oula, alors là, je ne vois rien. J'avais dit, imagine quand j'en ai une, alors quand j'en ai deux, c'est grave. J'arrête pas d'avoir des flashbacks, moi, ça dit. Ouais, c'est chiant, hein. Ah ouais. Et en plus, toujours des gens qui meurent, donc... Ah, ça, c'est une femme qui vient de se faire, mais violemment... bah, tuer. Alors... Je vais te dire, fais juste attention quand tu ouvres les portes. Ils peuvent être derrière? Ouais. Surtout dans cette pièce. Et je vais te dire, je sais exactement laquelle c'est. Et je n'ai aucune envie d'aller l'ouvrir. C'est laquelle? Parce que là, je vais faire une crise cardiaque. Ah, ça, c'est vraiment le genre de truc que j'aime pas du tout, ça, par contre. Moi non plus. Ça, c'est pour ça que je voulais pas jouer au jeu, à la base. Donc, oh, j'ai les deux. T'as les deux? Oui, alors toi t'es monté direct. Ouh, punaise. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, j'ai la musique. Ah, je sais pas ce qui s'est passé, moi. Oh, une lettre. Bon, moi aussi j'ai les deux. Ouh, putain, il est là. J'ai la musique, moi. Mon petit Daniel, n'aie pas peur. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une connerie. Oh, t'as fait un retour bureau. Merde! Tu cliques sur Amnesia, le bouton. Comment je fais? Je peux pas bouger, bah, la souris. Tu cliques en bas, là. Je peux pas bouger, la souris. Oh, j'ai eu le même bug hier. Oh, comment je fais? Ton contrôle à le sup. Non, non, parce que j'étais caché. Moi, j'étais obligé de redémarrer le PC hier. Non. Putain, mais c'est quoi? Pourquoi on a des merdes, nous? Et moi, j'ai toujours la musique. Ah non, putain, c'est chiant! Eh non, mais on est des poissards, hein. On est d'accord. Nous avons perdu Captain Sky. Pas le mien? Ah si. Bon, alors on se reprend là. Quoi? Oh mon dieu. Je sais pas si on se reprend, mais... Je suis toujours en chargement là, c'est chiant. Moi j'entends toujours la musique. Ah mais ça t'a sauvegardé au bon truc? Bah pile dans la même position que j'étais, tout ça. Sérieux? Mmh. Trop fort. Magnifique. Oh là 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 là, c'est quoi ce chargement? Ça m'est jamais arrivé. Là, j'en ai marre. Et il a pas frisé là, dis-moi. Ah non, c'est bon. Me dis pas que t'as perdu sa sauvegarde. Non, t'as pas le droit de me dire ça. Oh putain! Putain, mais il fait quoi l'ennemi là? Moi, il y a la musique depuis tout à l'heure, je bouge pas, je regarde la porte, il se passerait. Non, attends, ne me filme. Oh là 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 là. Je suis au début du stockage. Viens, mon courage. Putain, ça me gonfle. J'ai oublié de fermer. J'ai encore oublié de fermer. Putain. Oh, tu vas te faire. Oh. Merde, il revient. Le monstre est parti. Donc toi? Le monstre est parti.
Qui, toi? Ouais. Moi, je sais pas. Non, mais on est bien d'accord, une fois que la musique a disparu, le monstre est parti. Normalement, oui. Mais tu sais qu'elle peut revenir, mais d'un coup, d'un seul. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Mais ça faut pas me le dire, ça. Tu me connais, sinon je vais très vite arrêter le jeu. Je vais vraiment faire le plus vite possible, mais... Bon, attention, ellipse. Non. Alors là, oh, il arrive. Comment ça, il arrive? Ah non, je croyais que c'était la porte qui s'ouvrait avec... Oh putain. T'as pas vu quand je suis sortie qu'il m'est arrivé sur la tronche? Si, si. Mais comment je fais là? Je suis obligée de sortir? Bah non, faut que t'attendes qu'il parte. Tiens, en y réfléchissant, Daniel il a jamais faim. Oh putain! Dis-toi comment il est arrivé dessus? Oh merde. Attends, je sais comment, il y a encore la musique. Ah mais c'est parce qu'il est pas loin, moi elle est partie la musique. Donc là, il faut bien retourner dans l'ascenseur là, c'est ça, enfin dans les salles des machines là. Attends, parce qu'il est possible qu'il manque quelque chose, il faut vraiment que tu ouvres toutes les portes. Arrête, je sais très bien ce que tu essayes de faire. Non, mais je déconne pas, il me semble qu'il y a quelque chose... Attends, mais moi aussi je flippe là, parce que je... Du coup, tu me fais stresser. Putain, il a ouvert la porte. Oh, tu me fais stresser. C'est pas cool. Attends, parce qu'il a... Il a ouvert la porte, justement, que tu dois ouvrir. Celle qui fait peur, c'est ça? Ouais. Attends, je vais regarder s'il y est. Oh putain, je sais pas si... tu peux remettre parce que l'ellipse là, c'est bon. J'avais remis au moment où le monstre était arrivé. Ah merde. Ah ouais, d'accord. Super. Et ouais. Je suis revenu dans la salle... Ah non, c'est pas cette salle. Ok, bon en fait, t'as bien fait de pas y aller parce qu'il y avait rien. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, il y a eu un bruit super... super strange. Et j'ai presque plus d'huile. Et il y a un truc qui m'est tombé sur la gueule, en fait. Attends. J'entends un bruit de monstre, mais... Ah, il arrive! Il est là! Ah! Putain, mais t'es sérieux? Oh, y a des porcs. J'aime pas ça. Ok, la plupart des portes ne servent à rien. Ah, je stresse. Il est où? Normalement, quand tu remontes, il est là. Hein. Ben ouais, je sais, c'est là que je l'ai vu. Putain, je le sens pas. Bon, Daniel, il tremble beaucoup. Il y a la musique. Ok. C'est tombé. Ouais, et ben c'est moi, il y a le plafond qui vient de se dérober sur c'est moi. C'est derrière qu'il est le monstre. Non, il est devant normalement. Ben ouais, justement. Non, il est derrière les cailloux en fait. Donc devant. Il est où? Bon, Daniel, il est où? Oh putain! Oui, il est là, voilà, je l'ai vu au même endroit. Oh putain! Du coup, je regarde ton écran vu qu'il se passe rien sur le mien. Attends. Oh putain, il arrive! Putain, c'est déjà là, ça commence à me faire des coups comme ça, putain, mais je tiendrai. Hey, je vais être obligé de retenir jusqu'à la fin parce que tous mes potes ils m'ont dit que j'arriverais jamais à le finir.
Oh putain, s'il passe par la porte, je suis dans la merde. Hein. Ah, t'es dans la salle des cochons toi aussi? Ouais. Ah, t'es dedans? Ouais. Oh putain, on a fait la même chose. Bah, c'est la première porte qu'il y a en fait. Hein. Putain, Daniel, reprends-toi, Daniel. Oh merde, je suis tombé dans les pommes. Ah non! Daniel, fais pas ça, s'il te plaît. Ah, c'est bon. Je pense que je peux me permettre de rallumer la lumière, vu que... Oh, bah, j'ai mis la bougie. Putain, il y a encore la musique. Je fais quoi? Tiens, il y a une boîte d'amadou. Bon, le jeu, je commence à moins l'aimer, là, petit à petit. Attends, c'est que le début. Me dis pas ça. Arrête, on va passer la nuit là-dessus. Me dis pas des trucs comme ça. Bon, j'ouvre. Attends, je regarde l'heure parce que quand même. Ok, donc oh, ça va, on a encore plus de 2 heures. C'est bon, moi y a rien. Y a plus la musique. Hein. Oh, moi non plus. Je suis ressorti là, je commence à remonter. Ouais, moi aussi. Attends, faut aller où? Ah oui, rendez-vous au patio, s'il n'y a pas de problème entre. Attends, moi j'ai un petit peu peur là. Non, c'est bon, moi j'ai rien eu là. Je suppose que j'aurai rien non plus. Oh putain, coup de chaud quand même. Hein. Ah ouais, ça... C'est petit coup de chaud là. Ouf. Ça va, en fait, ouais, dès que tu te... Ouais, si tu prends ça, la rigolade, ça va. Si tu te mets vraiment dans le truc, ça va, ça doit vraiment être chaud, hein, si tu te mets dans le délire. Ouais. Moi, je commence à bien m'y mettre dans le délire, là, tu vois. Ah, ah y... Hein? Non, ça va, moi. Allez, fais tout après. Tu vois, petit bruit. Non, vraiment, moi, c'est vraiment pas les bruits qui me font peur. Enfin, sérieusement, les... Oh, super, là... La fontaine. Oui, il y a le gamin maintenant. Donc, direction l'ascense. Non, la salle des machines. Ouais. Donc, c'est la porte en face. Et le truc rouge, je sais pas ce que c'est, mais ça se propage. Hein. Oui, c'est une sorte de virus, quoi. Un truc comme ça. Mais de toute façon, tout ça est commandé par quelqu'un, donc. Ouais, tu vas pas me le raconter. Non. J'ai pas envie. Non, mais je te dis, n'importe que... ça peut être à n'importe quelle heure qu'on raccroche Skype. T'inquiète pas, j'irai regarder la fin. T'es nul. Donc, faut descendre et après, ce sera les trucs de pression. C'est le truc genre bien ouais. Chiant. Ouais, non, mais tu vois, moi, je connais bien le début de l'histoire parce que j'ai regardé le début d'un playthrough et je sais pas la fin. Et du coup, ça me... Et puis, vu qu'on lit rien, et ben du coup, je la connaîtrai pas la fin. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il peut courir à l'infini. Ouais. Ok, j'ai raté. Mais c'est dans cette salle-là. Je crois que c'est jaune, bleu, rouge. Merde, j'arrive pas à retrouver là. Ah oui, c'est la salle intermédiaire. Ouais, c'est bon, j'ai réussi. C'est jaune, de à gauche, tu commences. Ouais, jaune, bleu, rouge. Et donc, moi, je vais aller voir... Au niveau des pressions, en attendant. Sauf si tu viens de le faire. Ah bah non, faut démarrer la machine. Putain. Jaune, bleu. Les tiges tout... Donc là, il faut aller démarrer la machine, ça, en bas. Attends, je sais plus. Je crois qu'il faut, d'abord... Non, non, ah bah ouais, non. Ouais, forcément, s'il n'y a pas de pression, ça va pas le faire. Ouais, alors, dans mon... Donc, en haut, au milieu... Milieu, en bas... En bas... En haut, en bas, en haut. Je crois. Ouais. Après, ça fait un genre de zigzag. Alors, oula. En haut, au milieu, en bas. Oula. En haut, c'était tout rouge là. En bas, pour moi. En haut. Oh. C'est bon. L'écoulement est constant et stable. Pour le temps que tu avais passé sur cette énigme. Ouais, c'était complètement... Eh, franchement, c'était complètement nul. Hein. Ouais. Je sais pas comment les gens ils peuvent faire pour trouver ça. Hein. Franchement. C'est vraiment... Bon.
je vais démarrer la machine. Et alors attention, parce que dès l'instant où on va redémarrer la machine, je ne me souviens plus de rien. Donc c'est là que ça commence à être marrant. Chacun son point de vue. Oui, parce que je commençais à... Tu sais, je savais bien où était chaque monstre, où exactement. Que là, je suis déjà moins en confiance. Oh là, il y a de la... Ouais, du truc rouge partout. Il y a de la chair. Oh! Alors, moi, je suis dans le patio. Dans le patio? Non, là. Putain, il y a une espèce de flashback. Putain, il y a du truc rouge qui s'est mis partout. En fait, à chaque fois qu'on réussit un truc, il y a du rouge qui se mèche, quoi. Je vois même pas pourquoi on le met, qu'on fait des trucs. Bien, on va plus pouvoir marcher. Non, bah, tu retournes là où il y a le... Oula! Ouais, il y a des trucs rouges qui se mettent partout. Non, c'est pas un flashback. Non, c'est des trucs rouges qui se mettent partout. Donc tu vas au niveau de l'ascenseur et puis là, t'es dedans ? Ouais. Ferme les portes. On peut les fermer ? Ouais. Et c'est parti, moi je suis en train de descendre. Ah bah non, c'est en chargement, d'accord. On descend. J'ai bien l'impression que ça va être le niveau de la prison, mais je ne suis pas sûre. C'est le pire, le niveau de la prison ? Ah oui, c'est... Oui. C'est celui qu'il vaut mieux ne pas faire. Parce que là, c'est pas bon, là. Oh, dégueulasse. Ouais. Et voilà. Toujours une panne d'ascenseur quand il ne le faut pas. Hein. Mais je comprends même pas pourquoi il est rentré dans cet ascenseur. Yee-ha. Ah, c'est pas. Ouf. Mais quand même, Daniel, c'est Chuck Norris. Hein. Chuck Norris, il a pas peur, je te dis. Oui, bon, c'est vrai. Non, je te dis, Chuck Norris regarde le monstre dans les yeux et dit, t'as un problème. Non, mais c'est ça, hein. Fuck your mother. C'est exactement ça. Alors que Daniel, lui, c'est... Ah, je vais me cacher. Enfin, Daniel est plus super normal. Super bruitage, dire. Hein. Ouais, bah, c'est fort. Énorme. Énorme. C'est pour ça que si tu jouais au jeu sans son, ça a plus d'intérêt. Oh bah alors là, je sais même pas si j'aurais peur. Et en plus, tu les verrais même pas arriver, les... Non, les tu les verrais, mais ils font pas vraiment peur, parce qu'au final, ils sont plus ridicules que chose, les monstres. Ouais. Bah ils sont horribles, ils sont... Enfin, je veux dire, il a une tête de con. Oui, oh flash. Ouais, vraiment. Dungeon ? Very much so. Come, don't linger. Tout à l'heure, pendant la coupure, on était en train de se dire c'était carrément une part de masochiste, ce genre de jeu, parce que... Ouais, c'est tout à fait ça, en fait. Voilà, quoi. Enfin, se forcer à se faire peur, c'est un peu... Non, mais en fait, c'est bizarre comme impression. C'est-à-dire qu'on a peur, mais quelque part, on a envie de continuer. Ouais. Ah, encore des poutres à... quoi 500 kilos. Ou le cri. Oh putain, ça c'est pas bon comme cri. Oh, comment elles sont légères les trucs à 500 kilos. Là, moi je l'ai traîné, tu vois, dans la vidéo. C'est violent. Non, les pierres. Une pierre comme ça, il faut au moins être à 2 ou 3 pour la soulever. Enfin, pour la déplacer. Celle-là, ça, pas de problème. Putain, franchement, si c'est la prison, je crois que je vais avoir un malaise. Ah non, tu me fais pas ça. Parce que sinon, moi aussi, je vais en avoir un. Parce que si toi, tu te mets à avoir peur, moi, laisse tomber. Oh putain, en plus, c'est un truc genre... un genre de grillage. Oh putain, je crois que c'est ça. Oh non. Oh putain, c'est ça. Oh mon dieu. Camille. Viens m'aider. Non, faut que j'ai quelqu'un avec moi, là. Je vais... Enfin, c'est pas que... Oh, les bruits. Oh putain! Oh la vache! Oh là 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 là! Y a un truc qui arrive là! Pourquoi y a personne avec moi? Oh putain! Y a personne avec moi non plus! Elle peut pas venir?
Putain, Daniel, reprends-toi s'il te plaît. Zone de cellule, on est dans la prison. Alors écoute, quand on aura passé la prison, plus rien ne nous fera peur, t'as compris? C'est D'accord. le baptême en fait.